Regarde ça! Tu peux accéder à d'autres lieux de Paris en empruntant simplement ces rampes. C'est simple comme bonjour. Bravo! Tu as réussi! Bon travail! Maintenant, tu peux trouver d'autres recettes. Tu as encore des choses à apprendre, mais ne t'en fais pas, je suis là pour t'aider. Des boîtes de conserve. Ouvre-les et récupère le fromage à l'intérieur. N'oublie pas d'aller voir le marchand pour les échanger. Ceci est un point de passage. Si tu l'atteins et que tu perds ensuite toute ta santé, tu recommenceras ici au lieu de tout recommencer depuis le début. Besoin de quelque chose pour t'aider à monter sur ces boîtes. Trouve quelque chose que tu puisses rapporter ici. Tu es prêt à jouer les acrobates? Saute en direction des poteaux indiqués par des étincelles et accroche-toi pour tourner. Tu dois sauter pour tout lâcher, mais n'oublie pas, la synchronisation doit être parfaite pour sauter d'un poteau à l'autre. Ne t'inquiète pas, tu vas apprendre à valser dans les airs en deux temps trois mouvements. Thank you.
mot, mon gaillard. À présent, tu vas trouver toutes les recettes, j'en suis sûr. Champignons dorés. Là, on tape dans la catégorie supérieure. Si tu en manges un, tu deviendras sacrément costaud pendant quelques instants. Tu seras, comme qui dirait, invincible. Wouhou ! Rémi, il y a une recette dans cet appartement. Le problème, c'est qu'il y a aussi un gros chien. Tu pourrais peut-être le distraire. Saute sur cette poignée, Rémi. Je suis presque sûr que tu peux ouvrir la porte. Mon gaillard, si tu te montres assez patient, ces catapultes vont te projeter dans les airs. Tu vas voir, tu auras l'impression de voler comme un piaf. Que ces friandises pour chiens pourraient distraire ce molosse. Essaie de les faire tomber pour voir. Ça, c'est un bon toutou. Maintenant, à moi de me faufiler. J'ai réussi.